Aujourd'hui, on va vous préparer une quiche au, au jambon à l'érable. Yeah, so today we're going to be making a smoked ham quiche. Les ingrédients pour préparer la quiche, c'est de la farine. Vous allez avoir besoin de beurre, du sel, du jambon, peu importe le jambon, moi j'ai pris du jambon fumé à l'érable, 3 œufs et de la crème liquide à cuisson. J'ai pris 15%, mais 35%, c'est aussi super bon. Vous allez avoir besoin d'un gros saladier, vous avez besoin d'un verre doseur, évidemment d'un rouleau à pâtisserie, et si vous avez ça, un plat en silicone, c'est super pratique. Interesting. All right, man. So basically, what G just said, and I will not say basically 400 times, but anyways, you need some flour, you need all-purpose flour, you need some butter, you need 3 eggs, you need some ham, and this is smoked maple ham, you need some salt, you need some cream. This is 15%, but G says that you can use 35%. Yep, it's also really What about if nice. you had 10% cream? Oh, it's also okay. Yeah, It's good too. you can use any cream, really, I guess, but 15% is the ideal. And you need a measuring cup here, a roller, a rolling pin, and this weird thing that G got in Europe, I think Italy. No, it come from France. Oh, it comes from France, and it's like made out of this really weird, like bendable. It's really cool. Anyways, you can use that to cook stuff in and it does not stick. Oui, parce que l'avantage, c'est que tu vas pas mettre de beurre ou d'huile, donc ça va être moins gras. Yeah, so G says that the advantage is that you don't have to put any oil or butter, so it's less fattening. Là, j'ai coupé le beurre, environ une demi-tasse de beurre. C'est du beurre qui est demi-sel. Pour les Européens, ça fait à peu près, j'ai mis à peu près 150 à 160 grammes de beurre. Pour la farine, c'est une tasse, à peu près 300 grammes. Okay. Your All right. turn. So basically, what G just says is that you want to use half a cup of butter, and it's not just any butter; it's half salted butter. And she said that you want to have a cup of flour, C'est of ça. that all-purpose flour. And ours is not, the most expensive kind. We use the generic kind. So. Donc le beurre, vous allez le couper en petits morceaux comme j'ai fait là. Okay, you want to cut up the butter in little pieces like G did there. Et vous allez mettre la farine dedans parce qu'on va faire la pâte à la main. Okay, so she says that you want to put the flour in there because we're going to be doing the dough, I guess, or the mixture by hand. And oh my God, G, did you wash your hands? Of course. Oh, G Every washed her time. hands. She just washed her hands about 2 seconds before the C'est video. même pas vrai. J'avais nettoyé avant. Oui, c'est qu'est-ce que j'ai juste dit? Ok. Il te dit, c'est pas vrai. Ah non, Okay. ok. So, yeah, so G washed her hands, and you always want to wash your hands when you're cooking. Of course. Okay, so qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis en train de préparer la pâte. La Est-ce pâte que à quiche, tu vois. ça prend longtemps Je de suis en faire train de ça ou. relaxer. Non. Okay, so do we come back or do we keep on watching you or. Non, on va revenir. Puis tu vois, faut mettre un petit peu d'eau là. Au fur et à Oh. mesure, t'en mets un tout petit peu. And how much would a too petit per. Would be about just like Ouais, un fond là, vraiment un fond. okay. So she says that you just want to put a little bit of water in there, and by a little bit, just a little sprinkle, C'est not too ça. much. Probably like maybe 2 or 3 tablespoons of water, really quickly. Ouais, à peu près. Okay, À so plus tard, je finis la pâte, puis on revient avec ça. okay, we'll be back after she's finished with the pâte. Salut tout le monde, là je suis en train de faire ma pâte à quiche. Tantôt j'ai oublié de vous mentionner qu'il fallait rajouter un petit peu de sel dans la pâte. Donc là je suis en train de pétrir à la main. Donc j'ai juste mis le beurre, la farine et puis j'ai rajouté un petit peu d'eau pour que ma pâte elle soit quand même un petit peu collante. Faut pas que ce soit non plus trop collant. Si ça devient trop collant, vous rajoutez de la farine. Okay, so G just said that she forgot to mention before that you add a little sprinkle or 2 of salt. And she said here that you want to just work this like this. And she summed up before what she said that you add, the flour, the couple goots, little drops, tablespoons of water with the butter, a couple
sprinkles of salt, and she's actually working it here, and that's what I guess you want to do essentially. Forget to mention that as you're working the dough here that G was working before, you want to add a little bit of flour if it's too sticky, and you want to add a little bit of water if it's too dry, so that it kind of feels like if I touched it, it would feel like kind of like a woman's breast. But essentially, that's the texture you want. What do you do after that, G? Alors, je vais prendre ma pâte qui est prête. Avant de la prendre, j'ai mis un peu de farine sur mon comptoir que j'ai étalé parce que là, maintenant, je vais étaler la pâte pour la mettre dans mon moule à tarte. J'ai mis un peu trop de farine, mais je préfère en mettre un peu plus que pas assez parce que si ça colle, c'est pas le fun. Okay. Should I translate that? Yep. G just said that you have this, you want to take a little bit of flour and you want to put it on your counter. She's going to be rolling the pie dough. She put a lot of flour, but she said that it's also more, it's better that if you have a little bit extra flour than not enough. Yep. And she's rolling it out to about the size of her pan plate. And you want to do the same with yours. Anything else? C'est tout. We'll come back. Oui. J'ai étalé ma pâte comme je vous ai montré précédemment avec le rouleau. Et là, je viens juste de la poser dans mon plat. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai un plat où je mets pas de beurre, je mets pas d'huile. J'ai un plat qui est en silicone. Donc, moi, j'ai rien mis. Si vous avez pas ça, vous beurrez le plat où vous mettez de l'huile. Vous allez voir là, la pâte que j'ai mise, j'ai fait un petit bord spécial. Ça vient de ma mère qui m'a appris ça. Parce qu'après, je replie un petit peu. Et qu'est-ce que ça fait? What does that do? Ben, ça, déjà, de un, c'est pour l'esthétique de la quiche. Puis deux, ça peut faire des fois un petit bord croustillant ou un petit bord qui est moelleux à manger. Intéressant. So basically, what G was saying before is that she rolled out her dough, her dough. To I guess the size of the plate that you're going to be using, and then she put it in the plate, and the edges, if it's too big for the plate, like in this case they were a bit too big, she's kind of like brought them over and folded them. You see how she's doing that with her hands? She's folding them, and she says that she does this because it's first of all aesthetically, you know, better looking, and it also adds a little bit of crustiness or moisture. And it's an old traditional recipe from grandmothers and whatnot. Non, là c'est ma maman. Oh, it's from her mother, c'est sorry. Pareil. That's the same thing. Alors, l'étape là que je vais vous montrer, je prends une fourchette et délicatement, parce que moi j'ai un plat qui est super fragile, je vais faire des trous. C'est pour la cuisson de la pâte, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, là, dans la pâte. Je fais ça doucement parce que je veux pas... Ah, tu fais plein. Oui. Wow, okay, so she says that you want to add these little holes that she did with the fork here, as you can see them. She did that all over the pan, and she does that because it cooks better, I guess? Oui, c'est meilleur pour la pâte. Ma pâte, je vais la pré-cuire là maintenant. Okay. Donc je vais mettre mon four à peu près à 200 degrés, okay. 180-200 degrés, et on va la laisser environ 3 à 5 minutes. Elle va être pré-cuite, puis après je vais insérer le reste, et puis ça sera prêt. Je vais vous expliquer la suite après. Cool. So she said that you want to also preheat the cookie dough, not cookie dough, the pie dough, the quiche dough, and you do that to about 200 yeah. degrees. Yeah. And for how long? À peu près 3 à 5 minutes. About 3 to 5 minutes. Cool. Is après, that je vais sortir mon plat et on fait la finition. Okay, after she's going to do the rest. Voilà. Okay, that's it. So essentially, I mentioned before, you want to put it to around 200 degrees Fahrenheit, not Celsius. 100 degrés Celsius, à peu près. Which is about 100 degrees Celsius. And I also forgot to mention that if you're not using this fancy, you know, pie plate that G got from Europe, and you're using something in metal, you have to grease that. And what do you grease with? Just butter or oil? Or? Ben, c'est meilleur avec du beurre. It's better with butter, but you can grease it with oui, a little bit of oil as well. De l'huile d'olive. Olive oil. Or butter, preferably. That's it. Ma pâte est prête. Je l'ai faite pré-cuire. Donc je la sors du four. Voilà ce que ça donne à peu près. Wow.
She just took out her pie dough from the oven and it's been pre-cooked, like she said, for how long? À peu près 3-5 minutes. About 3 to 5 minutes. Voilà, là je suis en train de vous faire une quiche. Quand vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous êtes stressé, le travail, les enfants, tout ce que vous voulez. Moi, c'est une quiche qui se fait super rapidement. T'as pas le Okay. temps, tu fais ça super vite, puis tu bois un petit verre de vin en plus. Okay, so Vive la France! G is saying that you want to take out the pie dough from the oven. You want to put it on the counter and let it cool. It's only been in there for about 2 to 3 to 5 minutes. And this is not a quiche, like a formidable quiche that people are going to remember you for thousands of years. This is a quiche that's really quick. I mean, boom, 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 it's done. And she's drinking wine. So what else do you do now? Donc là, j'ai pris deux tranches de mon jambon là, qui est fumé à l'érable. J'ai commencé à couper comme ça, là, verticalement, à peu près de cette largeur. Okay, about half an inch. Voilà. Okay. Je vais faire la même chose dans ce sens-là. Donc Okay, ça so sera horizontalement là, mais je vais mettre la planche comme ça pour moi, ça sera plus simple. cool. So she's taking the ham now and she's cutting it. She's cut it vertically and horizontally in little cubes, about I guess half an inch in diameter, long. And wow, that's cool. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je finis de couper, puis je vais vous expliquer. Okay, she's gonna cut this up and Ce que je vais faire après, c'est que mes. maybe she's been drinking too much wine. Non. Non, ça c'est pas vrai. I'm just joking. Okay. Ensuite, tu prends tes petits morceaux de jambon. Tu vois, regarde, ça se défait tout seul. Je t'ai dit, c'est une recette qui est super rapide. C'est déjà tout fait, tout prêt, là. Faut juste trouver du bon jambon. Oh, and the ham that she was using before. Et tu mets ça. Dans le fond, sur le fond de pâte, Oh, okay. fond de tarte, comme About 2 slices of ham, she said that she uses, and this was smoked maple ham, and you cut it into those half inch pieces that she has here. And okay, let me see that. Wow. And you want to, I guess, layer. There's no eggs in here yet. There's just the pat that's been preheated, pre-cooked, excuse me, and ham, all like at the base of it. Oui, tu remplis juste ton fond de tarte comme ça. Est-ce qu'il est bon? Oui, bon, légèrement. I just had a piece of the ham and it's very good. Tu vois, ça va donner un petit goût là qui est super. Bon, tu essayes de répartir ton jambon de façon uniforme. Ça remplisse toute ta quiche là. You want to cover the layer, the bottom layer of the quiche there, so it's pretty, layered out all over equally. Ensuite, il faut que tu mettes du liquide. Donc, ce que tu fais. Tu prends tes 3 œufs, un bol, super bol de leur âme en plus, hein, et ta crème. Donc ce que tu fais, tu casses tes 3 œufs, tu mets tout, le jaune et le blanc. Sur So, what you want to do is you want to grab your bowl because now you have to fill what's going to be in the pie plate, which is the eggs, quiche, right? You take 3 eggs and you open it up and you throw them in there. She's put them in a bowl from the dollar store. You'll need one of these. They're practical, they cost $1 and they're from the dollar store. And they're a bowl and you put the 3 eggs in there. And now what? Et maintenant, je vais rajouter ma crème. Alors, moi, je fais d'habitude, comme on dit, au pif, au feeling. Mais pour vous, je vais utiliser une tasse. Okay. Donc, je vais remplir ma tasse de crème. Okay. She's filling up a cup of cream, and she's doing it normally. She does it by eye, so she's showing you that you want to fill your container with the 3 eggs to about the top. Moi, j'en rajouterai un petit peu, tu And vois. she's going to put a little bit more in because she wants it Yep. a little bit more than that. So there's about I guess, a half an inch to an inch, 3/4 of an inch to an inch still missing from the top. Okay. Et ensuite, avec ta fourchette, tu vas battre. And you beat that with your fork. C'est comme un peu une omelette. It's kind of like an omelet, she says. Faut que tu battes les œufs avec la crème. Wow, is this a common thing in France? Oui, c'est beaucoup Cool. ça. Cool. And what, did you add salt and pepper or anything else in there, or just... Non, parce que j'ai déjà mis du sel dans la pâte et le jambon, il est déjà salé. Oui. J'ai acheté du jambon salé. Si je rajoute encore du sel, ça va être trop salé, ça sera pas bon. Okay, so she says she didn't add any salt or pepper because she added a little bit to her pie dough, the salt, and the ham already is a salty meat. So she said that you don't need to add salt. So I guess that implies for pepper too, but I'm a little bit pepper freak. I would add a little. Tu veux du Non, poivre? non, non, pas du tout. Mais Bon, tu vois, regarde, là, c'est prêt. oui. Et qu'est-ce que Tu tu fais vois? après? Regarde. Hey, my gosh, it's kind of like a, it looks like an omelet.
Mais oui. I mean, it looks like an omelette base, ok? And Tu then vois you... mes omelettes là? Je fais comme ça avec des œufs, de la crème, c'est super bon. Oui, mais c'est fattening aussi, hein? Ouais, mais bon, ça goûte mieux. Oui. Non, non, bien sûr. Anything fattening tastes better than... Ok? So now, we just... What do we do now? Donc là, j'ai mon plat avec oui, ma I see quiche. that, yep. Ce que je viens de battre là, la crème et les œufs, je remplis. Oh my gosh, you just pour that over all the whole thing like that. C'est pas grave si ça déborde, c'est pas grave, avec la cuisson, ça va tout se tasser. Il n'y a aucun problème. So you just pour the battered eggs with cream on top oui. of the ham in your quiche, and she says it doesn't matter if it overflows because essentially it'll take up that space. C'est ça. Wow. Et qu'est-ce que tu fais après? I don't know. Après, tu mets au four, à peu près 30 à 40 minutes. Bon, moi, je rajouterais peut-être, je mettrais peut-être à 250 Fahrenheit. OK, 250 degrees à peu près, Fahrenheit. Non, non, non. Parce que, tu sais, moi, je réfléchis aussi en Celsius. Je vais mettre à 350 Fahrenheit, 180 Celsius à okay, peu près. OK, she wants to put it around 350 degrees Fahrenheit, which is about, what? 300? 200? 200 degrés. 180 à peu près. Là. 180. À peu près. 190, 180 ouais. degrés Celsius. Mais vu que mon four il chauffe vraiment très fort là, tu sais, oui. il faut que je joue avec ça là. Donc on va mettre à peu près à 180 Celsius. C'est à peu près 350 Fahrenheit. Okay. Je vais la laisser environ 30 à 40 minutes. Mais vu que mon four il chauffe super vite, à mon avis en 30 minutes ça va être prêt. Okay, so she says you want to put that in there, like I said, in between around 350 degrees Fahrenheit, which is around 200 degrees, 190 degrees Celsius. You want to cook that for about 30 to 45 minutes, she says, and that you don't want to, something you want to check at her stove, she says. It works a little bit stronger than a normal stove, normal stoves, and she has to check it, and she says that at around 30 minutes, everything is fine. Voilà, et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une belle salade verte avec des tomates et plein de choses pour accompagner votre quiche, un petit verre de vin, et enjoy. Ah, cool. So she says, the best thing to do also, G, is to make a green salad with lots of green leaf. Avec and plein de légumes, comme des tomates, je sais pas, des olives, peu importe. Any kind of vegetables, a nice salad, a nice green salad with tomatoes, avocados, whatever you have, and follow that with a glass of red wine, I presume, or... Yeah, red wine, and she says it's amazing. Voilà, bon appétit. Bon appétit. Enjoy ouais. your meal, folks. Je vais vous montrer. Je l'ai laissé à peu près 30 minutes au four. Voilà ce que ça donne. C'est très beau. It's very beautiful. She just said that her quiche is ready. She took it out of the oven, G, after about 30 minutes. She turned off the oven and the light and stuff. And if you look at it, it looks really good. Okay? La seule chose que je voulais rajouter, c'est que dans ma quiche, j'ai pas mis de fromage. Parce que moi, je suis une Française qui aime pas le fromage. mais vous pouvez mettre du fromage comme vous voulez et vous pouvez faire une quiche avec ce que vous voulez. Par exemple, j'ai déjà fait des quiches avec du brocoli, du poulet, des champignons. Tu mets ce que tu veux dedans, c'est super bon. Cool. Is it possible to do a quiche au whisky? Tu peux mettre du whisky si tu veux dans le liquide. Tu fais une quiche comme tu veux. Okay, so basically, G says that you can put anything in the quiche, really. I mean, she did hers without cheese. She's the only French person that doesn't like cheese. But you can put cheese in there if you want. You can put any kind of vegetables, asparagus, tomatoes, mushrooms, onions, whatever you want. And she said that, did you say you had a favorite recipe or something like that? Non, j'ai dit que j'avais déjà essayé plusieurs fois avec chicken, broccoli and mushrooms. Mushrooms, chickens and broccoli? C'est aussi très bon. Okay, good to know. It looks beautiful. Yummy. That's it, I guess. Bye.